Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Univers Moto FR. On se retrouve pour un épisode motard versus quotidien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bon visionnage. Hey. C'est mieux ça, hein. Ça c'est mieux que ça. Gros. Wouah, c'était chaud là, frère. Ouais. Oh, tu t'es chié dessus, non? Putain. Oui. Allez. Bonjour. Ah, vous en faites pas en sortant. On était là au bon moment. Wow, c'est gras. Ouais, c'est chaud là. Oh sa mère. Ah tranquille, ça glisse. Ah il est chaud. Rien que ça. Ah d'accord. Ça sent l'action écologiste. S'il vous plaît, non. On a foutre. De connasse. Ouf. Angle mort. J'étais en plein dedans. Ouais, alors toi là, putain, avec ta Clio à rouler comme un dingue là. Te bève.
va demander. Mais d'où là? Nipto. Et vous faites quoi là? Mais d'où tes papiers et ton nom? Comment? T'appelles tes parents, nom. T'appelles tes parents, la moto reste là. Ton nom, non? Ouais. Oh 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 oh! Là, vous faites quoi là? Tes propriétés privées. Ah, mais on savait pas! Oh non, mais on se casse! Oh! Non, monsieur, oh la moto, s'il vous plaît, non! Rien à branler! On se barre tout de suite, on vient plus! On se barre tout de suite, on vient plus! Non, non, non! Pourquoi? La moto reste là, t'appelles tes parents. Et pourquoi? Propriété privée. Mais monsieur, il n'y a pas de panneau, juste. Non, 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 non. Monsieur, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau, les gars. Et vous allez. Tu regardes les panneaux. Les terrains. Bah, d'accord, mais vous savez quoi, on vient plus. On vous laisse tranquille. Non, non, mais c'est bon. Non, non, mais tu, la moto reste là. Les parents viennent là. Allez, allez, mais on savait pas, monsieur. Ah non, on sait plus. Arrête, papa. Fais ta prendre, si tu sais pas. Mais non, mais mettez au moins un panneau pour nous tenir au courant. Ah oui, mais t'as un panneau. Si je vais chez toi. Vends mes ailes. T'habites où? Vends mes ailes. Bon, mais tu vas me dire où tu vas, mon toit, t'habites. Ouais. Je vais rentrer chez toi, je sais pas. Je sais où t'habites. C'est pas pareil, mais. Ah, c'est exactement pareil. Il y a de la culture là-haut. Ouais. Bon, bah alors, faut ouvrir les yeux. J'ai regardé, je me suis même dit, j'ai pas roulé en chemin parce que ça se voit que ça pousse. On a rien à foutre, vous. C'est des vrais sacrés branleurs, hein, mon vieux. Donc vos noms. Les deux autres sont partis. Les noms, les adresses. Hein. Les quatre. Il y a les quatre. Les gars, sinon. Les deux autres, là, qui étaient avec vous. Les quatre noms. Parce que là, t'as envie de t'en prendre une tour, il y en a un qui est là. Les quatre noms. Qui vont t'en les rappeler, quatre là. Adresses. Vous venez là. Et vous en rappelez. Sinon, les motos, vous repartez pas avec elles. Puis faites pas les marioles, parce que là. Oui, c'est sûr. Je vous dis à mon gars. D'ailleurs, terminé. Montez un peu, je te prends là. T'es là. Putain, merde, c'est quoi ton téléphone? Non, c'est. Vous m'avez appelé. Vous mettez vos noms, vos adresses, les quatre. Numéro de téléphone. Les quatre, je connais pas leur adresse, moi par contre. Oui, bah, t'as intérêt à être sûr. Je suis certain. Bah, vous allez pas repartir, c'est tout. Mais je peux pas. Bah, ils ont qu'à venir, mais on connaît pas leur adresse. Vous leur dites de venir là. Oh, va les chercher. Allez, viens, téléphone, les gars. Va chercher, oh. Va chercher, oh, va chercher Erwan et Melvin. Tout à l'heure, vous ne connaissiez pas au Barça. Donne-moi les stylos. Tu veux se mettre sur la marque, peut-être? Oui, oui, vas-y, vas-y. Vas-y, moi, je vais appeler ma grand-mère. Attends. C'est un peu bizarre, gentiment. Comme ça, tu veux les faire. Le mec, ils m'ont étranglé, je te jure. Le mec, il va étrangler, il va venir. Il a failli mettre un coup de pied dans le casque, mec. J'ai bougé ma tête. Hein, un baiser. Putain, il est plus mal. Je voulais me barrer. Monsieur, vous n'avez pas notre stylo? Vous habitez où, Esto? Bah moi je suis genre là je suis chez mes grands-parents en fait. Et toi? Oui, c'est bon. Et vous? Bah je suis en train de me laisser là. Et vous connaissez quoi? Hein, on va se connu, on est potes en fait. Vous êtes content, t'as connu? Au skate park, on s'est connu. Oh bah venu! Ah vas-y viens, faut que tu m'appelles ton nom. Non mais donc vous vous débrouillez comme vous voulez, vous appelez vos parents pour qu'ils viennent vous chercher. Ah moi je vais appeler. Mais c'est ce que moi mon père il travaille. Waouh. Il est à Rouen. Esop, tu es trouvé par terre. Il y a quoi? Il y a un mec là. Et Esop, tu es trouvé par terre, j'ai une cartouche chargée. Ah. Non, je vais aller voir le mec. Bah attends, allume pas la moto, on y va à pied. Ouais, il était vide mais... Non, non, c'est pas dangereux, faut qu'il y ait un percuteur et tout. Ouais, mais si jamais tu roules et tu tapes sur la feuille. Regarde nos affaires. Bonjour. Bonjour. Je veux bien que ce soit amusant, mais vous arrêtez d'abîmer les pneus. Ouais. Pas de problème. Parce que ça esquinte tout, comme après la neige et tout, ça abîme. Ouais. Bah, c'est juste que c'était que de l'herbe, du coup, on s'est dit que. Non, voilà, il se fait des foins et tout. Hein. Pas de problème, alors on part. On va prendre nos affaires, elles sont juste là, oui, on oui, non, mais prenez les affaires, prenez les chemins tant que vous voulez, mais abîmez pas les pneus. Pas de problème. Hein. Merci, bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt !